C'est maintenant qu'il faut croire, danser et se déchaîner. La musique prend vie lorsqu'on la partage. C'est dans le cœur des autres qu'elle prend tout son sens. Les deux choses les plus puissantes sur Terre qui ont été créées, c'est les mots et la mélodie. Et ici, dans la musique, elles s'entremêlent. C'est merveilleux. Le son et le verbe. Celles qui ont créé l'univers. Lorsque Dieu a dit que la lumière fut, la lumière est arrivée. C'est d'abord par le son que tout fut créé, d'abord par le verbe que tout fut créé. C'est d'abord par cette voix dans notre cœur que l'on crée. C'est l'idée qui vient du verbe et soudain, lorsqu'on abandonne tous les doutes, la lumière prend forme et elle surgit. C'est par l'écho de l'amour que sont dictées les choses. À nous d'accepter de rencontrer cet amour, à nous de ne pas l'abandonner, à nous de ne pas le lâcher. L'amour ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on lui ouvre la porte. Les amis, je m'appelle Lucas Cassia, bienvenue dans cet épisode de Chronique d'un artiste en développement. Je suis un artiste en devenir et aujourd'hui et dans toutes les vidéos qui sont déjà sorties et qui sortiront tous les dimanches matins à 10h, vous pourrez retrouver les coulisses de l'accomplissement de mon rêve, du pari de ma vie, le plus fou de toute mon existence, celui de devenir une star internationale. Oui, les amis, je le dis, je vous le dis. Vous me retrouverez aux côtés de Ed Sheeran sur les scènes les plus grandes de cette terre, Imagine Dragons, et j'en passe, les amis. Je suis un petit homme du Sud qui veut prouver que les Français sont aussi capables de faire de la bonne musique. Les amis, les artistes ont besoin de votre soutien. Et c'est ainsi que je vous demande de ne surtout pas oublier de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne pour ne surtout pas rater une seule vidéo qui sort tous les dimanches à 10h et qui montre l'évolution de mon projet à partir de zéro jusqu'à la sortie de l'album et bien plus encore, vous allez voir. Les épisodes sont géniaux, il y en a plein qui sont déjà sortis. N'hésitez surtout pas à commenter, partager, liker. Tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Je répondrai à chacun d'entre vous dans les commentaires. On pourra discuter de plein de choses très intéressantes. Je me suis lancé un petit objectif. Fin d'année 2025. Allez, je m'en bats les couilles, je le dis. Fin d'année 2025, 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ce sera fait. Car Dieu l'a dit, car à tous ceux qui y croit, il donnera. Alors, voilà, je vous embête pas plus, cet épisode est exceptionnel avec tous mes amis de la Joyful Band. Je vous laisse apprécier, les amis, je vous laisse apprécier, succulent moment. La bise, ciao et bon visionnage, on se retrouve pour la conclusion. Vous allez venir avec moi aujourd'hui pour les répètes de l'album avec la chorale Joyful Band. Ça va envoyer du steak, les gars. On va essayer, on va travailler sur I Don't. Répète de l'album pour la chorale. L'album, ça va être une tuerie. Joyful Band. Bon, là, je suis chaud patate, mais en fait, je suis grave à la bourre. Donc, je prends la caméra et vous venez avec moi. Je pense qu'il y a presque un épisode qui va être fait dessus. Et ensuite, à la fin, je vais vous faire un mode débrief de ce que je pense. Et de l'importance que ça a, de genre les notions d'arrangement, de composition, de structure musicale, de choix de style. Tous ces détails qui vont être super intéressants. À mon avis, cet épisode, il va être full là-dessus. Donc ce sera l'épisode de semaine 12 ou 13. On est au top. J'ai très hâte. Allez, on y va. Mi majeur. Et après, voilà. Et sur la fin, à l'endroit, ça fait le ré majeur. Et après sur le coup, bon, déjà ça. Bon, on fait d'abord. Voilà. L'arrangement moi, que j'avais fait à l'époque sur la version première que vous avez entendue, j'avais récupéré les lignes d'accord. Donc en fait, j'avais fait toute note de l'accord. Et en gros, j'avais suivi le refrain comme ça. Sauf que moi, j'imagine un truc, c'est faire ça, donc avoir ces lignes d'accord, etc. Et en superposer, faire comme des violons qui font tout sur les rythmes. En ouais, accompagnement, ouais. Tu vois, en oui, plus aigu, qui se superpose sur le morceau. Donc, en vrai, je pense que pour faire ça, à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est donc suivre les lignes d'accord,
potentiellement, genre, tu vois, fondamental, tierce et quinte, standard, un truc basique, sans pression. Et après, les plus aigus. Faire. Ces mêmes notes, mais au rythme, en fait. Ces mêmes notes, mais au rythme. Ok, je vois. On peut tester ça. Oui. Et après, pourquoi pas essayer de voir, mais ça, à la limite, c'est peut-être différent, sur certaines notes, la quinte. Sur les refrains, ouais. Mais que quelques notes ou quelques phrases, pas toutes, tu vois. Bon, si vous voulez, je vous chante le morceau du début jusqu'à la fin. Et après, si vous avez des idées, vous pouvez tester. C'est les mêmes mélodies que tu veux. Voilà, mais pas le. Tu veux qu'on petit. C'est-à-dire,
Il a dit Ken, c'est... Voilà, donc trois groupes différents, tu vois, et voir après le volume que soit, tu vois, déjà on fait d'abord le ou normal et tout. Vous les testez en tournant comme ça, sans moi. Oui. Vas-y. On fait d'abord le ou normal, je regarde. Et après maintenant on essaie de se séparer. Et toi qui fais un sur chaque coup. Et après tout le reste, on fait la ligne d'accord, tu vois. I ran to your fire. Down in vain. C'est la deuxième partie du deuxième couplet. Mais du coup, il va aussi falloir dans le deuxième, mais ça en enregistrement, on s'en fout. Il va aussi falloir construire cette partie pour le deuxième couplet. Donc en fait, je pense qu'on va superposer et les voix en mode accord standard sur la deuxième partie du deuxième couplet et en même temps ce qu'on est en train de faire. Comme ça, au moins, ça fait, tu vois ce que je veux te dire, ça fait comme des violons et en même temps une mélodie qui se joue par-dessus avec des voix, quoi. Tu vois ce que je veux te dire ou pas sur la deuxième partie? I cross the by the winds, millions of stars.
Bon, comme vous l'avez vu, en gros, là, c'est un de mes rêves qui s'était accompli dans cet épisode. Celui de tout simplement chanter mes titres avec plusieurs autres personnes. Enfin, là, c'est carrément un truc de ouf. Je souhaite à tous les artistes plusieurs voix. Vous savez, la voix, c'est quand même le miroir de l'âme. Et quand plusieurs personnes chantent avec vous, ça prend un sens, une dimension qui est quand même exceptionnelle. Ça montre aussi dans cette vidéo que n'importe quelle IA ne prendra jamais le dessus sur l'homme, sur l'humain. Vraiment pas. C'est le cœur qui crée, c'est rien d'autre que le cœur. C'est pas un moteur, c'est pas un rouage, c'est pas un code. C'est le cœur. Mettons du cœur dans ce que l'on entreprend. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve la semaine prochaine à 10h. Dimanche, pour un nouvel épisode, vers l'avancée de mon rêve, celui d'arpenter avec ma guitare, pour chanter mes chansons devant des milliers de personnes chaque soir. La bise, ciao.